Salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle découverte d'horreur. Et aujourd'hui, on va jouer à Canine, un jeu que je ne connais absolument pas, qui était en promo dans ma wishlist, pas cher du tout. Et j'ai regardé un peu la page Steam et j'ai vu que ce jeu avait 98%, je crois, ou 95% de reviews positives. Je me suis dit, il faut qu'on essaye. Donc voilà, c'est pour ça que le chat est chaud et le beat est bon et qu'on essaye. T'as le lien du jeu dans la description, je ne sais pas combien de temps ça dure, je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne sais absolument rien, j'y vais vraiment à l'aveugle. Tout ce que je sais, c'est que la typographie du titre est la même que Phasmophobia. Et que le jeu est en français, il m'en faut pas plus. On est parti, mesdames et messieurs. Let's go. Ok, ça part de chien méchant. Tommy est porté disparu depuis 3 semaines. J'ai reçu un appel anonyme disant qu'il se trouve à la clinique Umbral. Attends, Tommy. J'arrive. Un berger allemand en plus. J'adore les bergers allemands. Ok. Ok. Courir, clic gauche, lancer la balle, ramasser la balle. Oh, ça a l'air flippant. Ok. Ok, je peux courir. J'ai une barre de stamina derrière moi. Merde. Je peux me baisser. Ok. J'ai pas d'inventaire. Et je peux pas sauter. Ok. Et je lance une balle de tennis au ralenti. Ok. Vous me direz au niveau du son. Ouh, à mon avis, il va y avoir des bons jumpscares dans ce jeu. Ok, c'est peut-être un peu fort. Un autre chien manquant. Ça s'arrête le téléphone ? Merde. Allô ? Ok. Est-ce le seul arbre dans le quartier ? Ok, donc dès qu'il y a un point rouge, ça veut dire que je peux... Un banc magnifique, mais ce n'est pas le moment d'attendre quelqu'un. Écoutez, ça a l'air d'être un enfant en plein d'entrain. Dog dog ? On me dit pas que c'est un coup human centipede en mode toutou ? Je ne peux pas prendre le bus pour rentrer chez moi sans mon chien. Non, mais il a raison. Il a raison. Ok, attendez, allons voir ce mec. Ce n'est pas un bon endroit pour un garçon comme toi. Cherches-tu ton chien? Beaucoup d'animaux de compagnie disparaissent récemment ici. Et je pense que cette clinique vétérinaire louchée, elle est louchée, y est pour quelque chose. Soyez prudent, mon garçon. Carne. Ok, ça doit être une pizzeria, ça. Ah, attendez, il y a la police là-bas. On peut pas y aller, mais je vais aller voir quand même. Café. J'aime beaucoup cette ambiance PS1. Attends. La rue est fermée. Oui, merci. De toute façon, l'endroit que je cherche ne devrait pas être par ici. Ok. Ça se trouve, c'est devenu un dog-dog, c'est possible. Hein. Comment tu vas, Lily? Tu vas bien? Ok. Je regarde si... Ok, il n'y a pas d'option. Je voulais monter un peu le son de la musique. Oh ! Rien d'inhabituel. Sauf pour cet animal mort à l'intérieur. Bah attends, mais ça ressemble à un chien en plus. Ok, elle avait... Ok. Ouh, ça a l'air pas mal. Hein. J'aime beaucoup l'ambiance déjà, dès le début. Non, non, on va sauver notre chien. Moi, j'y crois à mort. Je dois trouver mon petit Tommy. Ok. Mieux vaut garder la balle avec moi pour l'instant. Ok, ok. Ok, je sais pas ce que c'était marqué. Oh, des toutous. Des toutous. Kala. McCree. McCree. Lola. Olivia. Colo. Et Megan. Ok. C'est pour vous donner des idées de noms, hein, on sait jamais. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi cette clinique de la bouffe? On va aller voir là-bas. C'est un lapin? Pourquoi il y a un lapin? Il y a le lapin disparu. Il faut suivre le lapin blanc. Le jeu coûte 2,30€, mesdames et messieurs. 2€, quoi.
Par contre, je sais pas combien de temps il dure. Ok, le lapin est là-bas. Il va redisparaître. Est-ce qu'il faut lui jeter la balle? Je sais pas. Non. Okay. Ok, on a des vestiaires. On a un fusil. Un fusil. Non, non, non. Qui fait un bruit dès qu'on appuie dessus. Et je ne sais pas comment tirer. Mais moi, je sais comment tirer. Des méthodes, des échantillons génétiques ont été prélevés sur un berger allemand mâle et un volontaire humain mâle. Oh non, l'ADN a été fusionné, l'embryon hybride a été implanté dans une mère canine porteuse. Oh, c'est dégueulasse. Mais c'est quoi ce genre de magazine dégueulasse, là? Oh merde. C'est quoi ce bruit? Il y a du sang par terre. Oula. Je vais me faire enfermer. Il y a du sang dans les chiottes. Ok. Il y a une grille d'aération ici. Ok. Je sais pas si ça vaut le coup de lire le bouquin. Partie 3. Ah ok, ça nous explique. L'hybride a démontré que des attributs physiques dépassant ceux de chaque espèce, incluant une force, une agilité et des sens accrus. Malheureusement, le sujet a montré une capacité unique à comprendre et à communiquer à la fois avec les chiens et les humains. Putain, c'est ouf. Et à faire preuve de compétences et de résolution de problèmes comparables à celles d'un humain. C'est quoi ce... Je sais pas ce que c'est ce bruit là. On dirait de l'eau qui coule dans mes oreilles. Dans mes oreilles, mais... C'est très dérangeant, je trouve. Attendez, j'entends un... Qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas regarder. J'entends un chien ou un truc. Tommy, c'est toi? Je ne vois rien. Je dois trouver un moyen d'allumer les lumières. Ah. Ok, il manque un fusible, la classique. C'est cool que le jeu soit en français. Deux humains avec des têtes de chiens géantes. Un monstre tenant un masque humain. On a la clé 18. Clé de casier obtenue. Ok. Oh. Il y a un truc qui bouge derrière, je sais pas ce que c'est. Spécimen, projet Chacal. McGree était un énorme problème pour le personnel en raison de son tempérament indomptable et de sa faim insatiable. Les résultats ont indiqué qu'il n'était pas adapté pour le projet. Nous avons essayé de nous en débarrasser, mais nous avons découvert qu'il s'était échappé de nos installations. Comment? C'est encore un mystère. Okay. Mais c'est Human Centipede version Doudou. Tommy, c'est le mien. Envie. Les tests ont conclu que ce chien ne pouvait pas être le réceptacle idéal pour un dieu. Mais nous pouvons utiliser à d'autres fins. Sa compatibilité élevée avec l'ADN en fait un candidat pour d'autres projets mineurs. Dans tous les cas, il est trop faible selon le résultat de test. Ruben, c'est un tueur en série, chien. Ah, il est muté, voilà. Produit une mutation de son squelette et de sa musculature. Le spécimen a commencé à marcher sur deux pattes et a augmenté de taille jusqu'à 5 fois. Non mais attends, ça me fait penser à Dog Soldiers, le film de Neil Marshall avant qu'il fasse de descente. Excellent. Terrifiant. C'est les loups-garous les plus terrifiants que j'ai vus. Nous le contrôlons complètement. Faiblesse, il ne peut s'empêcher de poursuivre les balles. Il reste néanmoins un toutou. Ok, on va tomber nez à nez avec Ruben. Et on va devoir jouer avec la balle. Makes sense. Everything makes sense. Par contre, je veux voir cette... Ok. Il va nous poursuivre. Ah, ça me fait trop peur là, ce qu'il y a dans le noir. L'ambiance de jeu, elle est folle. Hein. Ok. Ah, tu vois, ça s'est refermé, là. Casier numéro 18.
Ok, on a le fusible. Oh, ça pue. Enlève le chat. Mais attends, je fais quoi? Je m'approche? Je suis dans la merde. Je fais quoi? Je cours? Oh, le bon réflexe! Peut-être que je peux utiliser la balle de Tony. Ça a marché. Si vous aviez un casque, vous êtes trigger là. Ok, le lapin. Putain, j'ai cru qu'il était là, moi. Il me semble mort. Ouais, no shit. Je devrais retourner chercher la balle de Tommy. Elle pourrait être utile à l'avenir. Mais non, mais il joue avec. Je vais pas aller chercher la balle. Attends. Oh putain! Je sais pas ce que c'était, mais j'ai eu trop peur. Salut Link. Ah, il est passé par l'aération, c'est ce qui me semblait. Ok. Ok, il n'y a plus de son, il n'y a plus de musique. Oh, il est ouf ce jeu. Ok, il y a un mec mort. Il y a un mec mort. Ah non, il est pas mort. Oh, tu es là? Mais où est le fusil de chasse? Que fais-tu avec cette balle? Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas que cela arrive. Ces salauds n'écoutent pas. Écoutez-moi, il y a un moyen pour vous de vous échapper. Utilisez les quatre interrupteurs pour ouvrir la grande porte. Et c'est important, le dernier interrupteur est dans... Le dernier interrupteur est dans... Meurs. Non. T'imagines dans ton cul. Pardon. Nous avons découvert un moyen de restreindre la mobilité de Ruben. Avec une méthode hautement scientifique que je n'expliquerai pas, nous allons utiliser la salle E pour stocker toutes les balles d'expérience loin de lui. Nous allons aussi donner un fusil à canon CIA au garçon pour tester la résistance du spécimen aux dégâts des armes. Mais du coup, le fusil, faut que je retourne le chercher? Ok, à la salle E. Attendez. Il y a une inscription ici. Lorsque le cheval ailé se retourne, le chemin de la liberté sera accordé. Il y a aussi un interrupteur. Mais rien ne se passe lorsque je l'actionne. Ok, donc il faut... Voilà, c'est ça. Il faut que les quatre trucs soient allumés en vert. On va commencer par E, du coup. On va commencer par E. Quand tu vas jus.
J'aime beaucoup pour l'instant. On va commencer par E. Mais non! Si jamais on perd la balle, on peut en prendre une autre. Ah merde, ma balle! Elle est où? Mais non, je voulais celle de Tommy! Mais non. Attends, est-ce qu'il y a un trophée avec la balle de Tommy? Ok. Ah, good ending! Il y a deux fins différentes. Il y a deux fins différentes, mesdames et messieurs. Ok, je vous spoilerai pas, hein, évidemment. Attendez, je regarde, hein. Excusez-moi. Voilà, c'est ce que je pensais. Il y a un trophée, finissez le jeu avec la balle de Tommy dans votre main. C'est ce que je pensais. Putain, j'en étais sûr. Et il y a un mode hardcore quand évidemment on ne fera pas. Ouais, mais du coup, la balle de Tommy, elle a disparu. Je vais essayer le panier, ouais. Ben ouais, la balle de Tommy, elle est passée à travers le mur, quoi. Fais chier. Oh. C'est pas cool, ça. Ok, ça marche pas. Oh, j'ai eu un trophée! Eh, nice! Bon, dommage. Oh! Attendez. Une carte pour cet endroit. Je suis en E. Ok, en D, il y a une clé jaune. En B, il y a une clé bleue. On va aller clé jaune en premier. Oh, je suis dégoûté, la balle de Tommy. Je suis dégoûté. Mais du coup, est-ce qu'on peut avoir la bonne fin? Oh merde. Et ouais, et puis on peut pas recharger la partie. Écoute, on verra. Ça dépendra combien de temps le jeu dure. Donc en D, on sait qu'il y a la clé jaune. Oula, c'est quoi ce bordel? Ok, j'ai la clé du chariot élévateur. Merci beaucoup, Miss Cahouette, pour le 26e mois. Incroyable, 26 mois, putain. Ok. Distributeur. Si vous voyez un chariot élévateur, vous me dites. Ah bah ça doit être là. Pourquoi je suis dessous? Mais non. Ah, il faut mettre la clé ici, peut-être. Ok, il faut faire le tour. Oh merde! Ok, je peux pas passer par là. Passer par au-dessus. Il est où? Je sais pas si je peux le voir d'ici. Et il est là-bas. Ok. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Je peux plus bouger. Ah, mais attends, je suis baisé là. Mais je suis baisé, comment je fais? Ah, faut que je jette la baballe! Attends. Attends, je vais essayer. Oh, c'est pas mal. Donc en fait, t'as qu'une seule balle, donc il faut pas que tu te loupes. Par contre, je comprends pas ce que j'ai fait. Ah, mais non, c'est juste le premier interrupteur, en fait. Ça, c'est pour se cacher. Je suis où? Là. En fait, j'ai juste réussi le premier interrupteur. Et donc, il m'en reste encore 3. Ah ouais, mais du coup, c'est ultra chaud, en fait, de finir le jeu avec seulement la balle de... Avec la balle de Tommy. C'est ultra dur. Ok. Ok, on va retourner choper une balle. 26 mois de fun et d'horreur. Merci beaucoup. Merci énormément. Ok. Donc ça c'est fait. On va faire en face, on va faire la B avec la clé bleue. Ok. Bisous ma note. Eh, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ouais, tu vois, c'est ça. Ok, il a pas l'air de nous suivre ici. Tant mieux. Ok, la B. La B. Donc j'imagine qu'à chaque fois c'est un puzzle différent. Les offices, les bureaux. Tiens, on dirait des... Ok, on peut le louper ici, souvenez-vous-en. On peut le louper ici. On peut le louper là, apparemment.
Ok, il y a des PC. Umbral, vous pensez que c'est un hommage à... On a la clé de la cage. Je sais pas à quoi elle sert, ça. 18 mai, je déteste ce type de chauve. Ce type chauve, pardon. Il y a plusieurs types de chauves. Toujours foirant son nez là où il ne devrait pas. Mais ça, c'est les chauves, ça. Nous sommes si près d'y parvenir. Après tant de sacrifices, nous avons enfin le bon chien. 5 juin, le projet Chacal est presque terminé. Nous devons tester les capacités du spécimen. J'ai élaboré un plan pour le faire. 11 juillet, non mais raconte toute ta vie, mec. Tout est prêt. Nous avons l'appât et les installations sont préparées. Un chien avec un t-shirt. Un étrange quadrupède géant jouant avec une balle. Quelqu'un le regarde. Oh, attends. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur ici. Il n'y a pas d'interrupteur ici. J'ai chopé une deuxième clé. Je ne sais pas à quoi elle sert. Putain, il m'a fait peur, ce con. Je suis dégoûté parce qu'il y avait tellement moyen de le finir en fait avec la balle de Tommy. Parce que tu vois, en fait, il fallait se dépêcher et se cacher. Alors, à quel point l'IA est conne? Ok, elle va juste au plus rapide. S'en bat les couilles. Ok. Ok, on a la clé. On va faire le C. Description, on dirait les prompts GPT pour générer les images. C'est possible, hein? Attendez, mais il me suit en fait. Si, il me suit. J'entends des bruits de pas. Ok, je sais pas ce que c'est peut-être pour me cacher, j'ai pas suivi. Chariot élévateur, c'est pas ça, non? Ok, je peux passer là-dessous. Bisous au Chantal qui nous regarde. Ok, ça, je sais pas ce que c'est. Ok, donc il me suit. Ok. Est-ce qu'il peut passer dessous? Il peut pas passer dessous. Putain, mais il y avait trop moyen de le faire avec la balle. Je suis deg. Ok, c'est un labyrinthe. T'as la mort? Pardon. L'interrupteur, vite, vite, vite. Allez, il bouge. Merde, je sais pas où il est. Je pense qu'il est pas loin. Ok. Bon, après, il est lent, donc ça va. Ok, on va traverser ici. Je pense qu'on a le temps. Ok, on a fait deux interrupteurs sur quatre et on a deux clés. Et il y a un autre magazine ici, mais j'ai pas le temps. Ok. Attends, merde, j'arrive de quel côté, moi? Donc on a fait B, C, on a fait E, on a fait D, il faut qu'on fasse F, mais il nous manque quand même un interrupteur. Des bisous, Abel. Il nous manque un interrupteur? C'est quoi ça? Oh, des toutous! C'est pas un toutou, ça. Si? C'est quoi la taille de ce toutou? Ok, faut qu'on se dépêche. Faut qu'on aille libérer le chien. Ok, on peut louper ici. Tommy! Je viens de sortir de là! Ok, Tommy. Ok, le chien se ramène. Attendez, je fais comment là? Et je passe pas? Ah si, là! J'ai la clé. Ça lève le truc. Et lui, il va pas tarder à se ramener. Ok. Par contre, faut se dépêcher de ouf. Ouais, je crois que je le vois. Merde. Ah, il est là, regardez, je le vois. Vite, 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 vite. Vite! Vite! Pardon, excusez-moi. On va appuyer sur le bouton d'abord. On va libérer Tommy. J'ai mon toutou! Tu n'auras pas mon toutou, fils de... Je peux le traiter de fils de pute, il est à moitié humain. Ok. Ok. Le problème, c'est les interrupteurs. Le problème, c'est les interrupteurs. Attendez. Il me manque deux interrupteurs. Vous en avez vu ou pas? Ici, il y en avait qu'un. Hein. Ici, il y en avait qu'un. Même les mamans de chiens méritent d'être respectées, patron. Ben, c'est ce que je dis.
Eh ouais, c'est une énorme porte, elle est fermée. Eh ouais, il y a quatre lumières, je sais, je sais. Le problème, c'est qu'il me manque deux interrupteurs, mais je les ai pas trouvés. Ok, le A. On n'a pas fait le A. Ok, attendez, là, on n'a pas fait le A. Attendez. Peut-être que le A, il y a deux interrupteurs. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est en anglais, tu vois. On comprend pas. Oh putain. Oh, il me regarde. Il me suit du regard, vous avez vu? Oh putain, on va se retrouver avec je sais pas combien de Ruben. Ok, on peut se cacher ici. La tête est manquante, bah super. C'est mon toutou, le plus beau des toutous. Ok. Ok, on a un interrupteur là. Et le problème, c'est qu'il nous en manque toujours un, chat. Il est bizarre, mon chien, mais non, il est pas bizarre. Il est juste un peu con. Bon, il nous manque un interrupteur. On a fait toutes les portes, non? Ok, il est là, il arrive. Normalement, j'ai le temps. Le problème, c'est que... Comment je peux le 3-6 là? Est-ce que vous pensez que ça passe si je me cache sous la table? Parce qu'en vrai, je peux pas le 3-6, on est d'accord? De toute façon, j'ai une balle au cas où. Bon toutou, il fait pas de bruit, ça c'est un bon toutou. Ok, il a perdu ma trace. Ok, nice. Ah, tu vois, donc il y avait vraiment moyen de finir en gardant la baballe. Le Saint-Bureau. Bon, mesdames et messieurs, ça nous aide pas, il nous manque un interrupteur. Merci beaucoup, Shérif Ours, pour le 11e mois. On dit que la peur se désintègre à la vue du matador. Prononcer le holy nom de Monsieur Tiboot causerait la peur. Quelle la porte? Ah, elle se referme. Attendez, attendez, attendez. Attendez, pourquoi tout est fermé? Ok, celle-là, elle est ouverte. J'y suis allé ici, hein. Je crois que j'y suis allé. Oui, j'y suis allé. J'y suis allé. Le dé, tu l'as fait, mais je crois. On va regarder. Ok, le dé. Dé, dé, dé. Alors, attends. Le dé, oui, le dé, je l'ai fait. Merde. Donc, ABC, je suis persuadé de les avoir faits. ABC, j'ai fait. Là, je pense que c'est fermé. Il disait qu'il fallait chercher le fusil. Le F, j'ai fait aussi. Le D, écoute, je vais aller voir D, mais je crois que j'ai fait. Non, mais la statue, je pense que la statue, c'est pour ouvrir. Ok, j'ai rien dit. Par contre, il est là? Attendez. Salut Malakai. Salut Melpa, tu vois. Vous aviez raison, c'était la statue. Attendez. Ah merde, les portes se ferment random en fait. Ah, c'est pas mal comme choix de level design. Le problème c'est... Il va où lui? Ok, je sais pas où il est. Je sais pas où il est, j'ai pas envie de le savoir. Ok, on se casse. Oh, on a la bonne fin! On a la bonne fin! Ok, mais en fait, le jeu est pas très long. Si vous voulez, on peut faire toutes les fins. Je viens de débloquer la bonne fin. Ok. Sauf que j'ai pas la balle de Tommy, je suis deg. Oh, attendez, c'est le mec. Avec une guitare? Eh, hey, mec, tu l'as fait? Regardez, vous deux, vous êtes si heureux. C'est vraiment une fin heureuse. Espérons simplement que ce monstre ne découvre pas comment s'échapper de l'installation.
Il se fait bouffer? Même pas. Il y a deux fins. Ah, il y a du speedrun. Et j'ai réussi sans me faire toucher une seule fois. 3 étoiles. Ah, c'est pas mal. On va essayer de faire l'autre fin, parce que c'est quand même assez facile. Mais on n'a pas la balle de Tommy. Mais on est mort 0 fois. Environ 3,9 millions de chiens sont abandonnés ou remis à des refuges chaque année. Vous pouvez aider à changer cela en adoptant simplement un chien. Regardez-moi ce toutou. T'aurais dû faire des papouilles. Ils dépendent de nous. Et vous, vous nous faites chier avec vos chats à la con. Putain. Eh ben, il était très bien, ce jeu. Il était très très bien. Je comprends pourquoi il a eu 98% de review. Voilà. Les 2% négatifs, c'est les gens qui préfèrent les chats. J'ai adopté le mien en refuge et mes 3 chats et mes 3 serpents. Bon, ça va. Bon, si les serpents pouvaient bouffer les chats, bon. Mais... à la mémoire de tous les chiens qu'il a perdus, évidemment. Ah, bah écoute, il était pas mal ce jeu. Pour deux balles. Avec un peu de chance, il reverse une toute petite partie, tu sais. Ou alors peut-être qu'il bosse dans un refuge, on sait pas. Ça. Pour 2 euros, c'est pas mal. On va essayer de faire la mauvaise fin. Agent. Oh, attendez. Hardcore mode unlock. Bubblegum filter unlock. Oh, YouTube en revient. Il faut que je teste des trucs. YouTube, on va essayer le mode hardcore bubblegum parce qu'on aime rigoler. Et on va essayer d'avoir la mauvaise fin du coup. Donc on teste la mauvaise fin, le mode hardcore du coup et le mode bubblegum. Let's go. J'ai cliqué sur nouvelle partie. On va voir si ça marche. Tout va être rose peut-être, ouais. Allô ? Ok, le jeu ne répond plus. Il a dû planter. Ok, j'ai cliqué, on a relancé, j'ai remis le filtre et j'ai cliqué sur hardcore. Ok. Ah, mais c'est juste un filtre comme ça, du coup ? Tu es là, blabla. Ah, oh. Ah ouais, en fait le mode hardcore il est juste méga rapide. Ok, on va l'enlever et on va essayer le mode hardcore tout simple. Ah ouais, le mode hardcore il est sous stéroïde. Lil Bean, do you think that chew bubblegum the entire time? Maybe. Ok. Mais il est rapide de ouf. Ok, donc là ce qu'il faut faire mesdames et messieurs... Alors, je vous rappelle que j'ai de la stamina. Hein. Ok, je vais essayer de me planquer. Il faut qu'on garde la balle de Tommy aussi. On essaye de faire les deux en même temps. Hein. À mon avis, c'est impossible, mais on essaye. Ok. Ah putain, il s'est barré du côté où je voulais pas. Alors, je cours pas, dans le doute, si jamais il entend. Il y a un côté... Putain, le record du monde, il doit être de 2 minutes. Je suis sûr que les mecs ont trouvé des glitches et des conneries. Ok, premier interrupteur, c'est fait. Piche-toi ! Ok. Je peux pas me mettre ? Ah si. Je te dis, on va le faire en hardcore avec la balle de Tommy, on est des ouf. Ok. Le problème, c'est la stamina. J'aime bien le côté scoring qu'il a mis au jeu. Je trouve ça cool. Je sais pas s'il fait moins de bruit, mais en tout cas, il est vachement plus rapide. Moi, j'ai ma stamina, donc je peux pas trop courir, tu vois. Ok. Ok. Je peux le louper ici, ça c'est tranquille. Par contre, il a l'air de savoir à chaque fois où je suis, quoi. Mais je vais pas avoir le temps de descendre. Non, je vais pas avoir le temps de descendre. Ok. Oh merde, il passe par là.
Ok, je suis obligé de courir un peu. Et la stamina descend trop vite. Hein. Ok. Mais toute la séquence du Fenwick, là, ça va être hardcore. Hein. Oh, celle-là, elle va être hardcore aussi. Parce que l'interrupteur, je crois... Ah non, c'est pas ici que ça va être hardcore, c'est après. Dépêche-toi, je peux pas bouger. Oh non, il est trop rapide. Il est beaucoup trop rapide. Waouh. Alors, je crois pas qu'on ait de fin avec le mode hardcore. Donc on va pas forcément essayer de battre le mode hardcore, on va juste essayer d'avoir la mauvaise fin. Mais OK. Et de finir avec la balle de Tommy. OK, let's go. Donc on va faire une nouvelle partie normale. OK. On est parti. Oh, j'ai sursauté de ouf, je pensais pas qu'il était aussi rapide que ça, tu vois. Il doit accélérer quand je suis derrière lui. Bah, j'ai bien sursauté, c'est un revenant, quoi. Les zones entourées de jaune sont-elles safe? C'est ce que je me dis, Maddy. Je pense que oui. Allez, attendez, on va chercher Tommy. Voilà. Allez, let's go. Et le jeu était pas mal. Alors, si le côté score vous intéresse pas trop, c'est vrai que 2€, c'est peut-être un chouille... Un chou cher. Mais bon. Ça va. Ok, let's go. L'ambiance était vraiment, vraiment bonne. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais le mode hardcore, du coup, il commence directement... Ah, peut-être qu'on gagnerait du temps à faire le mode hardcore. Le mode hardcore commence directement dans le truc, tu vois. Je dois trouver mon petit Tommy. T'inquiète pas, je vais m'en occuper. J'ai l'impression qu'il t'entend quand tu cours. J'ai un peu cette impression aussi, ouais. Salut Shona. Est-ce qu'on garde YouTube? Parce qu'en vrai, YouTube, on leur met un petit montage. Ils ont pas forcément besoin de revoir tout le jeu. YouTube, petit montage. T'inquiète pas, je te reprends quand on fait les interrupteurs. Ok, ça y est, j'ai eu le trophée. J'ai été caché pendant une minute. On peut enlever le timer. Hop. Et on peut continuer à jouer. Okay. Alors, il est où? Oh, le rouge là. Attends, est-ce qu'il m'entend? Non, parce que s'il se barre, moi ça m'arrange. Ah, tu vois, il m'entend courir. Donc il m'entend. Ok. Bon, bah maintenant on le sait. Avec un peu de chance, il va aller se barrer au fond. On va pouvoir avancer tranquille. Donc voilà, c'était pas... Oui, parce qu'en fait, YouTube, tu l'as pas vu, mais nous, on est resté caché dans les chiottes au début pendant 1 minute 30. Et c'était pas ces chiottes-là, du coup. Attends, il est où? Il s'est rebarré? Ah oui, il se rebarre. Je vais rester accroupi. Donc peut-être qu'en hardcore, il faut le faire en étant accroupi, en fait. Peut-être qu'en hardcore, il faut le faire accroupi. Là, y a rien. Parce qu'en fait, dès qu'il te repère, c'est beaucoup trop dur. Ok, je sais pas où il est. Il a dû partir sur la... Ok, il est là. Vas-y, va tout droit. On a fait le A, on va aller faire le B. Ok. Donc faut pas que je cours. Donc en vrai, si je cours pas, ça devrait passer tranquille. Sauf si on n'a pas de chance et qu'il vient au même endroit que nous, mais... A ton avis, la mauvaise fin, c'est quoi? Je sais pas, mais on va essayer la mauvaise fin. Après, il y a une partie de moi qui a envie d'essayer la bonne fin, parce que je me dis, est-ce qu'on a une fin spéciale avec le chien plus la balle? Ok, il est là. Ok, c'est scripté, je pense. Il est reparti? Non, il arrive? Ah, il est dessous. Ok. Vas-y, j'ai pas le temps, ça me saoule. On va se dépêcher. Ok. Let's go. Je crois que ça va plus vite si on passe par là.
Là. Non, ici. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on passe là. Ok. Là, gauche, droite, il y a un interrupteur. Ok. Ça doit être marrant de tenter. Trop tentant de sprinter. Bah ouais, de ouf. Mais bon, c'est vrai que là, en mode facile, ça va. Bah, YouTube, Oui, allez, je te garde, YouTube. Je te garde. C'est pas très long. Au pire, t'avances. Ok, il nous cherche. Ok, ça c'est fait. Ok, on va aller chercher l'autre clé. Oublie pas la clé. C'était pas ici la clé, hein. La clé, c'était dans le D. Ok, je fais exprès de pas courir parce que celui-là, il y a moins d'endroits pour se cacher, je crois. Il doit être un peu vieux ce jeu. Non, pas du tout. Il est pas du tout vieux. Il est même assez récent. C'est juste un effet de style, tu vois, qui se donne. Tu vois, on peut se cacher ici. Et on peut pas se cacher ailleurs. Ouais, mais le problème, c'est que là, il se ramène. Et là, honnêtement, je sais pas comment faire. Ah, l'escalier! Il faut se cacher sous l'escalier. Attends, est-ce que j'ai le temps? J'ai peut-être le temps. Non, j'ai pas le temps. Là! Je l'avais pas vu tout à l'heure, ça. Ok, donc quand il est lent, il sait pas où on est. Donc là, il est en mode cherche, il sait qu'on n'est pas loin. Et quand il a le pas rapide, c'est qu'il est en mode chasse, il sait où on est. Ok. Oh, s'il pouvait monter là, ce serait parfait. Oh, il a fait demi-tour. Oh, il a fait demi-tour, le bâtard. Oh, ça va être long. Tout pour la balle de Tommy. D'ailleurs, je vois pas écrit Tommy sur la balle là, ça me plaît pas. Comment ça se fait que je vois pas écrit Tommy sur la balle, chat? Me dites pas qu'on fait ça pour rien? Pourquoi je vois pas écrit Tommy sur la balle? C'est la même? Ok. La clé, elle est en haut. J'ai pas oublié, vous inquiétez pas. Oh ouais, va tout droit, c'est parfait. Comme ça, moi, je peux couper ici. Je me dépêche avant qu'il me voie. Voilà. Cassos. Le problème, c'est que je crois que j'ai rien pour me cacher ici. Donc, je vais pas courir. Ah, mais je peux le louper. Je peux sûrement le louper, là. Ok, let's go. On se casse. On a les deux clés. Ah, mais tout à l'heure, on voyait le nom sur la balle, en fait. Car on dirait un jeu PS2. Bah, c'est fait exprès. Ok. Donc là, il n'y a rien à faire. La petite salle, on ne prendra pas la balle. D'ailleurs, c'est le même coffre que dans Resident Evil, je crois. Ça me dit quelque chose, ce coffre. Ok. On a fait combien d'interrupteurs? 3. Donc là, c'est le dernier. Donc là, on va libérer notre toutou. Ouais, c'est ça. Donc on passe là. Ok. Ouais, j'arrive, j'arrive. Putain, chat, il y a une partie de moi, j'ai envie de faire la bonne fin avec la balle pour voir s'il se passe un truc. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la bonne fin ou pas? Ou la mauvaise? Dans les trophées, c'est pas marqué, hein. Dans les trophées, c'est pas marqué qu'il y a une fin cachée, hein. On fait la mauvaise. À mon avis, ça change rien. Bah, la mauvaise, à mon avis, c'est il faut se barrer sans le chien. Je pense que c'est ça la mauvaise. Attends, je regarde vite fait les trophées, mais c'est marqué. C'est pas marqué qu'il y ait plusieurs fins. C'est dommage, je peux pas vous afficher les trophées. Alors,
C'est marqué, lisez tous les magazines, lisez tous les revues scientifiques, jetez la balle dans le feu. Ok. Avoir la mauvaise fin. Succès masqué. Finissez le jeu avec la balle de Tommy en votre possession. C'est pas une fin en soi, tu vois. Et battez le mode hardcore et finissez le jeu avec 5 étoiles. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de faire la bonne fin. Merde. Oui, c'est un jeu d'horreur style PSX, ouais. Je pense pas qu'on ait besoin de la bonne fin. Donc on va se barrer. Désolé, Tommy. Ah, ça fait mal, ça fait mal. On aurait dû faire la mauvaise fin en premier. Cinq étoiles, à mon avis, c'est la bonne fin. Plus Tommy, plus il faut mettre moins de 10 minutes, peut-être. Tu vois? Je l'avais pas vu! Qu'est-ce qu'il fout là? Ok, il s'est TP. Non, mais il s'est clairement TP. Oh, il m'a fait trop peur, ce con. Enfin, 2 heures pour activer le truc, quoi. Salut, Molinox. Ok, j'ai la mauvaise fin. Et j'ai la balle de Tommy. Du coup, il pleut, il fait pas beau. Il y a toujours le mec à la guitare. Oh mec, on dirait que t'as échappé sans ton boy. Tu viens de le condamner à une vie de douleur et de souffrance éternelle. Bien que tu puisses toujours essayer à nouveau, avant qu'il ne soit trop tard. Bon, bah, c'est juste ça. Et on a, et j'ai débloqué le trophée avec la balle. Hey, 4 étoiles! 4 étoiles, 18 minutes? Non, j'ai pas mis 18 minutes, si. Ok, donc j'étais pas obligé d'avoir la bonne fin. Eh ben écoute, YouTube. Et puis là, on a encore le truc comme ça. Ok. Écoutez, le jeu était vachement bien. Moi, j'ai bien aimé. Il y a de l'amour pour les toutous. Et ça, c'est tout ce que j'aime. Non, c'était pas trop mal. Pour 2 euros, je comprends les reviews positifs. J'ai surtout préféré le début. Avec l'ambiance, là, j'étais vraiment... j'étais... comment on dit en français? On the edge. Et au moindre bruit, je sursautais. Ça, c'est vu. Hein. Non, non, vraiment bien. Vraiment sympa. Plus de 2 euros, ce serait un peu trop cher, je trouve. Mais après, je sais pas, peut-être qu'il y a une partie de l'argent qui est donnée à des assos sur les animaux et trucs comme ça. C'est possible, hein. Il y a pas mal de devs qui font des choses comme ça. Donc, bref, en tout cas, je te le conseille, il est sympa. T'auras le lien dans la description. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Canapé de style victorien par Ryan. Eh ben, écoute, merci à Ryan. Un bon canapé, c'est important. Pour un bon humain et un bon toutou. Eh oui, le meilleur ami de l'homme. Vive les chiens, vive YouTube, vive moi. Et vive la Oli. Je t'embrasse YouTube. Des gros bisous. Magnifique. On n'a rien débloqué. J'attends. J'attends quand même la fin. On n'a rien débloqué. Des bisous.